beaucoup de juifs ont embrassé la modernité qui a caractérisé l'Europe, et beaucoup de juifs ont adhéré aussi à cette sorte d'arrogance qu'a eu l'Europe de se penser être le centre du monde, le cœur du monde pensant, et ont contribué à cette volonté européenne de diffuser partout des valeurs dont elle pensait qu'elles étaient universelles et qu'elles pouvaient transformer le monde. Comment l'émancipation est-elle arrivée en Méditerranée, dans ces judaïcités, donc de l'autre rive de la Méditerranée? Je crois que elle est d'abord arrivée par la guerre, et elle n'est pas arrivée comme une émancipation. C'est-à-dire qu'elle est arrivée surtout comme une déstabilisation. La colonisation de l'Algérie par la France à partir des années 1830, crée un modèle, crée une polarité. La frontière entre le Maroc et l'Algérie est assez poreuse. On sait qu'il y a des circulations. Il y a eu une génération d'émancipation, là je parle plutôt pour la France, au moment de la conquête d'Algérie. Et ces générations qui ont pu, à qui les études supérieures ont pu s'ouvrir, ces rabbins de l'école rabbinique de Metz, trouve en Algérie, à partir de 1830-1835, un terrain d'activité et milite très tôt pour que les Juifs de France soient à la manœuvre pour régénérer les judaïcités algériennes. Finalement, vous savez que c'est en 1870 que le décret Crémieux a accordé la nationalité française, la citoyenneté française à tous les Juifs d'Algérie. Et de son côté, l'Empire ottoman n'a pas véritablement attendu forcément les injonctions des diplomaties européennes, parce que dès 1839, l'émancipation figure en quelque sorte dans le programme des réformes, des Tanzimat, qui est lancé donc par les pachas réformateurs. Ce projet, il se concrétise en 1856 avec le Hatti Humayunu. Des organisations juives ont été créées à cette fin et ont accompagné le mouvement européen de diffusion de sa culture et de ses idées dans le bassin méditerranéen, puis au-delà. La démultiplication de toute une série d'institutions qui prenaient en charge toutes sortes d'aspects de la vie collective, alors que le processus émancipateur, en principe, confessionnalisait le judaïsme, ce paradoxe-là affleure de manière particulièrement visible dans cette démultiplication d'associations, d'institutions, par la mise en place de nouveaux types de solidarité. Alors, dans le cas français, ce sera l'Alliance israélite universelle. Le canal principal est quasiment unique de transmission du modèle émancipatoire, du modèle européen en tout cas, c'est l'Alliance israélite universelle et surtout ses établissements scolaires. Les promoteurs de l'Alliance israélite universelle souhaitent défendre leurs coreligionnaires partout où l'égalité des droits ne leur est pas assurée, mais ils souhaitent également, et c'est très important de le signaler, avant tout les régénérer. Les régénérer parce qu'ils considèrent que leur régénération constituera la première étape de leur future émancipation. Et donc, quelque part, près de trois générations après l'émancipation des Juifs en France, on a une forme de déplacement du stigmate du dégénéré depuis donc les Juifs d'Europe occidentale vers les judaïcités du bassin méditerranéen et puis également d'Europe orientale. L'Alliance israélite universelle va commencer à développer ses établissements scolaires au Maroc, justement, à Tétouan, c'est là qu'est fondée la première école. Et donc, ce sont des établissements scolaires qui mélangent l'éducation à la française et une certaine forme d'éducation religieuse. C'est-à-dire que l'idée aussi, c'est d'arracher un peu les enfants à un enseignement rabbinique qui est vu comme étroit, arriéré, trop traditionnaliste. L'Alliance israélite universelle, ses principaux terrains d'implantation, c'est le Maroc, c'est la Tunisie, ça a été aussi l'Égypte, ça a été bien sûr Salonique, ça a été donc l'Empire ottoman. La vision que les Israélites français ont de leur coreligionnaire maghrébin est une vision très influencée par l'orientalisme en fait. On est dans un folklorisme, dans une vision très folklorique.
de ces juifs qui sont quand même un peu arabisés, qui ne s'habillent pas de façon européenne. Et donc, c'est tout ça qu'on va leur apporter. Donc, ce n'est pas tant l'émancipation que la culture permettant l'émancipation. Alors, bien sûr, l'Alliance diffuse dans ses écoles un modèle français. Les cours se font en français et puis sur une ou deux générations, cela crée pour la France eh bien, des réseaux culturels, politiques et surtout commerciaux dans le bassin des Méditerranéens. Ce qui explique aussi que l'Alliance ait des concurrentes. L'Anglo-Jewish Association est fondée en 1871, l'Il sera in der Deutschen Juden en 1901, et ces deux associations eh bien, ont à peu près la même approche du judaïsme du bassin méditerranéen, à savoir qu'ils vont fonder des écoles pour les régénérer, mais des écoles en anglais et en allemand. Mais si l'on fait fi de ces différences linguistiques, quand on étudie les discours et ce qui est véhiculé dans ces institutions éducatives, ben finalement le métadiscours est le même. Il s'agit que d'une variation sur un même thème européen, et ce thème européen, évidemment, c'est celui de la supériorité de la civilisation européenne. Le mellah africain, enfin nord-africain, n'a pas meilleure presse que le ghetto ou le shtetl. On est vraiment dans une vision, depuis l'Europe occidentale, tout ce qui est le judaïsme périphérique, disons, de l'Europe de l'Est au bassin méditerranéen, c'est... On imagine les juifs miséreux vivant confits dans leur tradition un peu étroite et voilà, ayant besoin de, justement d'un apport d'ouverture de toute la culture et la modernité européenne. L'Europe est dans cette conception une idée en mouvement, une idée qui a vocation eh bien, à conquérir le monde, mais d'abord à conquérir l'Europe. Et à ce titre... l'ouvrage publié par Karl-Emile Franzos en 1876 est assez emblématique. C'est le fruit des voyages de Franzos dans la Galicie austro-hongroise, donc dans la partie orientale de l'Empire austro-hongrois, mais également dans l'Empire russe. Et il considère donc ces régions comme, c'est le titre de l'ouvrage, une semi-Asie. Et les Juifs de ces régions, donc les Hostjuden, sont également partie prenante de cette semi-Asie. Et donc, que déclare Franzos, c'est bien qu'il est nécessaire d'y mener eh bien, un puissant Kulturarbeit, donc une mission de civilisation, pour intégrer donc, cet Orient arbitraire, cet Orient despotique, eh bien, dans le cadre de la civilisation européenne, de la civilisation du droit, de la civilisation des mœurs. Et de fait, si l'on regarde une carte des émancipations en Europe au XIXe siècle, et si on fait fi des difficultés qu'ont eu les Juifs à l'obtenir, on a l'impression d'un mouvement inéluctable d'ouest vers l'est. Et d'ailleurs, en 1878, a lieu le congrès de Berlin, donc la conclusion de la guerre russo-ottomane, largement animée par Bismarck, mais on y retrouve évidemment des représentants de toutes les diplomaties européennes. Et les nouveaux États qui sont issus donc du... découpage de l'Empire ottoman, la Roumanie et la Serbie, eh bien on leur demande instamment d'émanciper les Juifs. Donc il y a en quelque sorte autour de cela une forme d'eschatologie du modèle émancipatoire qui a vocation à s'étendre partout et c'est fondé aussi sur le fait que le dernier État qui ne l'applique pas encore, à l'exception de l'Espagne, l'Empire russe, semble être sur la voie de l'émancipation des Juifs avec les réformes libérales du tsar Alexandre II. Mais en réalité, cette période constitue eh bien, le début de la crise du modèle émancipatoire, puisque à la fois dans les pays où ce modèle est appliqué, donc en Europe occidentale et centrale, mais aussi dans les pays où il aurait dû l'être, eh bien, il entre en crise. La Roumanie ne l'applique pas, et l'on sait ce qu'il advient ensuite après l'assassinat d'Alexandre II dans l'Empire russe.